Alors, je vais vous surprendre, hein, mais je vais faire ça. Il n'y a aucune ironie là-dedans. La compo est genre beaucoup trop late pour que je garde Greninja. Je préfère avoir Zeraora histoire qu'on soit pas super faible en early. Non mais là quand même, Karchakrok, Mamochon, Florizarre, faut pas déconner un moment. Non, je ne suis pas malade, hein, tout va bien. Hein. Je peux vous montrer mon pass sanitaire, il n'y a pas de problème. Alors, ça fait un million d'années que vous me dites « Oui, mais tranche, on passe à travers le mur !» Ah ouais, c'est génial. Non, vous n'en avez pas, hein. Je suis bien en jungle avec Zeraora. Ouais, il a tellement des bons outils pour être tranquille pour son farm, Zeraora. Ah, on gagne un petit peu de temps. Enfin, tranche, on traverse le mur. Ah, on gagne un petit peu de temps. Tranche, on empêche les spells de Ludicolo et Frison. Franchement, pratique ça. Merde, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ne me posez pas de questions. Alors. Ok, ils sont full life. Mais ils sont niveau 3. Bonjour. Ok. C'est bien. J'ai aidé mes copains à marquer. Ok. Très bien. Par contre, au bot, c'est compliqué. Non, ça, il m'a pas volé le creep. Donc là, vous êtes en train de me dire qu'Étincelle s'est fait nerf, là? Comment ça? Non mais le poké est toujours honteux en fait. Allez hop, ça dégage. Bon, on atomise la top lane. Je joue quel objet? Je joue bande aux muscles, body barrière et score shield. Donc là ce poké s'est fait nerf. Enfin s'est fait nerf, non en fait il s'est fait buff Zeraora au final. Dans l'ensemble. Mais Étincelle est censée s'être fait nerf. Je ne comprends toujours pas le nerf de Étincelle honnêtement. Je vis toujours une belle vie avec Zeraora. Hein. Le peu que je joue, j'ai vraiment l'impression que ma vie est simple. Hein. Merde, j'ai plus de... Oups. Oh, 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 oh. Allez hop, ça dégage. Ah. Merde. Ah, pourquoi j'ai avancé? Pardon, j'ai avancé, pardon. Est-ce que j'étais en train de regarder mes spells? Oups. Non, j'ai pas eu le refresh ward, de toute façon j'ai choisi au dernier moment de pick Zeraora et je l'avais toujours pas, je l'avais pas pick depuis la mage. Du coup, je risquais pas d'avoir le refresh ward dessus. Mon niveau 9 va arriver, mais c'est au niveau 10 qu'on a lu de toute façon. Hein. Et ça, elle ne s'est pas fait nerf, mais buff d'après moi. Bah non, il y a je ne sais plus quoi qui passe de 3-4 secondes, mais je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est... Enfin, je ne comprends toujours pas, bref, pour faire simple. Hop, bon, je suis tout le monde. Par contre, j'ai plus de... Merde. Non c'est bon, on a le shield donc c'est bon. Ok, si jamais il prenait la citrus c'était casse-couille donc au pire on ulte tôt mais voilà c'est comme ça. Et on fait du plus 30 là dessus, tôt dans la game donc c'est très bien. Hop là je me barre. Oh, c'est génial l'étincelle hein, franchement. Hein. Mais je comprends pas hein, ce qui passe de 3 à 4 secondes, genre enfin, entre les sauts, je peux sauter instantanément derrière quoi. Fin... Là, ça m'a pris en autom. J'aurais dû mettre la caméra là-bas. Hein. On fait pas beaucoup de value, mais le truc c'est que Rotom il pourra aller plus loin et bah, ça les empêche d'avoir du heal.
Et du shield. Est-ce que Rotom le termine? Je suppose que oui. Ouais, ça va. De toute façon, il y a qu'un match qui prend le kill. C'est fine. Ok, ok. Bon, il y a énormément de points par terre. Le truc, c'est qu'ils viennent tous de mourir. Je sais pas s'ils ont le temps de venir empêcher Rotom. Ouais, si, ils ont quand même du monde qui vient. Ok, bon, c'est une destruction. Hein. C'est le temps d'invincibilité. Et ok. Continuez comme ça. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Tu veux t'adonner? Tu veux qu'on se la mette? Ah, oh, il vient de casser la zone, c'est pour ça qu'il est là. C'est le temps d'attente max entre deux étincelles qui faisait 3 à 4 secondes. Bah non, en fait. Tu vois bien que je peux faire mes que je peux les enchaîner. Donc c'est pas ça, justement. C'est ce que j'avais compris. Mais ça me paraissait pas logique, puisque... Non, non, 11 points, c'est bon. Ça va vite. Ah, restez dans le soleil, hein, t'aurais pu me taper de loin. Mais tu l'as pas! Ok, ils sont même pas venus. Sympathique. Ouais, mais tout ça pour même pas casser. Après, il y a des points par terre. Ouais, il va finir par casser. Non? Le temps qu'il ramasse? Attends, il est où? Il est back? Ah non, il a fait les abeilles. Enfin, pas toutes. Pourtant, Pyrobut, ça va, il a pas de mal à faire à Pyrène. Oh, regardez, il a flash pour un petit spell. Hein. Ça dégage. Oh, j'aurais dû mettre l'attaque plus avant, par contre. Hein. My bad. On a tué l'Orphinobi pendant qu'il faisait son ult. Oh, c'est con. Hein. Et Karchakrok, ça a fait Rotom hyper vite. Ah, j'ai aucun regret d'avoir pick Zeraora, hein, vraiment. Pourtant, je joue jamais le poké, mais je me rends bien plus utile par rapport à la compo qu'on a que si j'avais pris Orphinobi. Hein. Quand tu fais un saut, tu as un certain temps pour faire le prochain, sinon l'attaque s'annule. Ah oui, c'est le CD si jamais tu ne refais pas de deuxième saut. Ou si tu n'as pas fait le dernier, peut-être. Continuez comme ça. Bon, allez, on recharge l'ult. Pas fan de se battre ici maintenant. Mais bon. Bon bah, admettons. Hein. Aïe, ça pique. Bien joué. Bon allez, je meurs maintenant. C'est pas très grave. De toute façon, personne n'aura le temps de faire Torgamor. Ouais, c'est fine. Ils ont pris des morts aussi. Bon. On a un peu rattrapé la casse. Bah, alors, rattraper la casse, le fight commençait pas si mal. Oh messieurs, oh je suis pas d'accord, ils ont tout juste le temps de venir. Et on l'aura fait pour eux. Oh là là. Non non non, on a trop l'avantage. Oh non les débiles. Oh les débiles. Dites-moi que. C'est. Ouais, on l'a eu. Bon ouais, en vrai, bon, tant mieux quoi, mais bon. Pas du tout KS hein. Genre vraiment Zeraora c'est le champion du KS hein. 24 points. Oh lui on peut le laisser filer, hein. On a pas grand chose à tirer. En gros non, faut que j'ai que 11 points, faut que je garde la vision, ça vaut pas le coup d'aller marquer 22. Je pense pas. Ah quoique vu le nombre de HP qui reste sur la tour, pourquoi pas. Putain de merde, what? Je n'ai pas fini. Bon, j'ai dû ult pour pas mourir. Au final, je suis mort tout seul sur le Vénu. Alors là, cette interaction était catastrophique pour moi. Oh et mon dieu, ça c'est pas bon du tout. Bien joué. Oh merde, il a loupé. Votre équipe domine, ouais, mais pas de temps que ça. Non, j'ai pas besoin de faire ça, je peux ramasser des points par terre au pire. On va pas faire le con. Attends, faut aller à Zados, là il a pas eu le temps de régène. Hein.
Ok, ils sont tous morts. Nice. Nice, nice, nice. Je sais pas s'ils étaient obligés de jouer le Zapdos. Hein. Je pense que c'était trop dur de l'avoir pour eux et ils auraient peut-être pas dû le jouer. Hein. Nice, j'ai eu le temps de marquer mes points. C'est gentil. Ok, hein, bon bah. Ça, ouais, bon, les fights à la fin c'était pas ouf. Mais ce pick Zeraora, il a été totalement clutch. Hein. Si tu tuais Mamochon, t'aurais pu refaire une vidéo avec titre Mamochon se fait électrifier. Ah, oh, c'est pas banal que je sorte Zeraora, du coup, allez, je vais en faire profiter sur YouTube, du coup, si vous regardez ça, sur la plateforme d'hébergement de vidéos de Google, et bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas fait, et moi je vous dis rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Salut tout le monde.